Et bien voilà, nous sommes le dernier jour à Quinçay aujourd'hui avec l'équipe de secours qui est restée là pendant les deux jours. En l'occurrence Samia, qu'on connaît déjà de l'année dernière, qui nous avait fait le plaisir de l'interview. Bonjour Samia. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors est-ce que tu peux nous présenter l'équipe de cette année s'il te plaît? Donc on a l'équipe de secourisme, les mêmes que l'année dernière, donc de la FF2S, et on a une ambulance privée de ce mur en dos. Voilà, qui est venue renforcer cette année. Voilà. C'est bien ça. Alors, et avec moi, comme d'hab, mon infirmier, Rémi. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de chez vous, s'il te plaît? Nous, tout s'est très bien passé pendant les deux jours. On n'a pas eu de grave. On a eu plutôt du trauma oculaire, on va dire, lié à cette boue et à diverses autres choses dans l'environnement. Bien, Samia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la Fédération française de sauvetage dont tu fais partie, ainsi que toute ton équipe, s'il te plaît? Alors, je pense qu'en parlera mieux le chef d'équipe ici présent. Alors, le chef d'équipe s'appelle comment? Raphaël. Bonjour, Raphaël. Bonjour à tous. Alors, donc, nous sommes une association de sécurité civile. Nous sommes basés à Marsanais et nous intervenons un peu sur toutes les manifestations de ce genre et autres sur lesquelles on nous demande d'intervenir. D'accord. Et puis moi je vais vite vous lâcher parce que je crois que vous avez le baptême. Samia vient déjà de l'avoir, un petit peu boueux, n'est-ce pas? Mais là je pense que tout le monde veut partir pour aller faire le petit baptême de quoi? Et bien écoutez, en tous les cas, merci à vous tous, à toute l'équipe au complet, que ce soit les ambulanciers ou les secouristes pour votre gentillesse. Et puis comme d'hab, on se retrouve l'année prochaine. Au revoir Sylvie. Au revoir, bonne journée, bye bye.